Le tome 2 du livre « Dialogue avec l'histoire », 104e ouvrage de David Abbassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abbassi avec les personnalités nationales et internationales, comme Miss Caroline de Bindernes, la Marianne de mai 68, Robert Baer, directeur de la CIA, Paul Quilès, ministre, Philippe Carcenti, Dr Kathar Abou Diab, politologue, Dr Razmara, ministre, Prince Patrick Ali Pahlavi, Général Henri Paris, Rémi Aufrère, Jacques Millard, maire et député, Henri Caillavé, sénateur, Ahmad Bennour, ministre, Serge Maître, président de l'AFUB, Pierre Henry, Jacques Vergès, avocat, Robert Ménard, Roger Hernu, président des francs-maçons, Daniel Jelin, acteur, Mehdi Bazargan, Premier ministre, Pierre Marion, patron de DGSE, Général Abbas Garibagi, ministre et chef d'état-major de l'armée impériale perse, Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, Elie Barnavi, ambassadeur d'Israël, François Lebel, maire, José Bové, député européen, Harry Ben-Ménache, Eric Alphen. Commandez ce livre chez Amazon, sinon envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@avesta.net. Dialogue avec l'histoire, le monde parle avec vous à travers David Abbassi. Par David Abbassi, écrivain et historien. Tant qu'islamologue, connaissant parfaitement l'islam, le Coran et les pays musulmans, voici le plus important message que David Abbassi souhaite adresser à tous les médias, les hommes politiques, les élus, les magistrats. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. En vacances, en pause du travail, dans la file d'attente, dans le train ou dans l'avion. Achetez en un clic les livres de David Abbassi sur Amazon et lisez tout de suite. Livraison instantanée. Fierté historique pour la radio Ici et Maintenant, suite à la proposition de David Abbassi, Emmanuel Macron plus utiliser le mot djihadiste, mais terroriste, islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux, ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort. Qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche.